Bon, j'espère que là vous me voyez, que vous m'entendez, les gars. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça bug? J'espère que non. Putain, je suis désolé, les gars. Je galère de ouf. Mais au fur et à mesure, je vous jure et je vous promets. D'ailleurs, il faut que je m'excuse d'un truc, je vais vous le dire après. Au fur et à mesure, ça va être parfait, les vidéos. Parce que là, je suis en train de m'entourer d'une équipe de malades qui bossent sur Twitch depuis longtemps. Et on va faire des sales trucs. On va faire des trucs de ouf au fur et à mesure. Chaque chose en son temps, évidemment. Et petit à petit, on va faire des trucs de ouf. Plein de concepts. Mais je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Et je voulais m'excuser d'un truc. Je sais pas combien on est là. C'est pas marqué, moi, là, sur mon truc. Il est marqué 0, donc apparemment vous êtes. Il n'y a personne. Ah, ça bug? Ça bug de où? Ça rebug? Ah, c'est pas possible. Oh non. Putain. Comment c'est possible que ça bug? Je fais exactement ce qu'ils m'ont dit. Ça fait genre quoi? Parce que moi sur l'image là, c'est tout nickel, j'ai pas le retour. Je comprends pas, vous me dites c'est bon, après vous me dites ça bug. Bon, tenez-moi au courant. De toute façon, je vais pas pouvoir rester 2 heures sur ce live, mais je vais rester bien facile 1 heure minimum. Et puis si je reste plus, je reste plus. Parce que ce soir, je vais me coucher tard, faut que je finisse ma choré de la semaine. Donc je disais tout à l'heure que. Attendez, hop. Je disais tout à l'heure que quoi? Ah oui, je devais faire un live d'entraînement avec Natacha pendant la semaine dernière, pour la semaine dernière, où je vous disais, ah ça bug quand je bouge. Ah bah putain, mais je vais arrêter de bouger, je vais rester comme ça, coincé, torticolis. Un coup ça bug, un coup non. Bon les gars, je suis désolé pour ce soir, je vais faire comme je peux. Ça fait chier, je vais essayer d'arranger ça au fur et à mesure. Bon bref, je devais faire un live sur pour les entraînements et Natacha où je devais vous deviez m'aider à choisir un truc de la chorégraphie. Je peux pas le faire. Je pourrais jamais le faire parce que c'est une galère en termes de timing, c'est-à-dire que je peux pas. J'essaye de pas trop bouger. Hein. C'est une galère en termes de timing pour avoir le temps de le faire. Natacha, c'est pas une danseuse. On part vraiment de zéro et à chaque fois, chaque semaine, on repart de zéro. Et j'ai pas le temps de faire mon. Vous avez vu déjà comme je galère là alors que j'ai le temps de faire le truc. Si je le fais à l'entraînement et tout, ça va être une galère. Et je crois que la prod, ils sont pas comme des oufs que je fasse ça. Ils m'ont rien dit, mais j'ai cru comprendre. Donc voilà, déjà, je m'excuse pour ça. Je suis vraiment désolé. Et voilà. Ensuite, il y aura personne ce soir. Oui, j'ai une guitare, mais je vais pas jouer ce soir. J'ai mal aux doigts. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Attendez, j'essaye de lire ce que vous marquez parce que moi, mon écran bug aussi. Tac, tac, tac. Ouais, ce soir, il n'y aura personne. Il n'y a que moi. J'espère que vous n'êtes pas déçus, mais moi, je suis content. Et on va discuter, on va parler un petit peu de Dals. L'objectif, c'est ça, parce qu'il reste 2 semaines, donc autant en profiter parce qu'après, j'en parlerai certainement plus beaucoup. Donc là, vous êtes plusieurs à me poser la question, est-ce que mon dos, ça va mieux? En fait, ce qui s'est passé pour mon dos, parce que vous avez vu, pour ceux qui me suivent sur mon canal de diffusion sur Insta, en fait, si vous voulez, au troisième prime, il me semble que c'est le troisième prime, j'ai fait des portées et je me suis éclaté le dos, en bas du dos, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, sauf que là, ça m'arrive en début de saison. Ça m'arrive en début de saison et le médecin m'a dit il faut stopper l'émission pendant au moins 1 mois pour te remettre. Et j'ai dit c'est pas possible, j'avais le pire mort. Je me suis dit je veux pas, moi je veux continuer. En plus, il y avait Dalcy, j'avais déjà signé mon contrat, donc flemme. Il m'a dit alors tu peux, donc du coup, je prends beaucoup de cachets. Je prends beaucoup de cachets, j'essaie de faire des étirements et tout, mais bon, j'avoue, je le fais pas très sérieusement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ben, je force dessus. Je tire sur mon dos tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce qui fait que maintenant j'ai mal là où j'avais mal déjà. J'avais eu un lumbago. Et j'ai commencé à avoir mal à d'autres endroits dans mon dos. Ce qui fait que quand je vais finir la saison, je vais être éclaté, éclaté.
Et j'ai vraiment mal, mais je serre les dents, si vous voulez, je boite un peu la journée parce que j'essaie de ne pas forcer. Et le soir, quand je danse, j'ai plus mal parce que j'ai l'adrénaline dans mon corps et j'y pense plus. Par contre, une fois que j'ai terminé le prime, le lendemain matin, les gars, c'est une horreur. Une horreur. Vous savez pas à quel point j'ai mal. Mais après, voilà, je le dis là, mais je le dis pas pendant le prime parce que ça sert à rien. J'ai pas envie de faire le miskin. C'est plus Anthony Colette, c'est Anthony Cassé. Bien joué. C'est bien, Sofia. Sofia Gemes, je sais pas comment tu dis. Je vais finir en kit IKEA, exactement, Pinachless. Et vous avez des noms tous, ça me massacre. D'ailleurs, il va falloir que je change mon pseudo là. Parce que quand je vais commencer à faire du gaming, si vous voyez le nom de mon truc sur la Play et compagnie, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Et j'ai vu une question, qu'est-ce que j'ai pensé de Kayona et Maxime au dernier Prime? Bon, de toute façon, vous le savez, moi, la particularité que vous allez connaître avec moi, c'est que je dis vraiment ce que je pense, la plupart du temps, parce que sinon, des fois, bah, ça passe pas. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Anthony, d'Anthony? C'est très prétentieux de faire ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de Maxime et Kayona? Eh bien, c'était très bien, Maxime et Kayona. C'était très bien. Alors évidemment, il y a toujours, c'est jamais parfait. Il y a aucune star qui est jamais parfaite. Pour moi, la seule star qui était vraiment incroyable, incroyable, quand elle a dansé sur Danse avec les Stars, mais genre en termes de niveau. C'était, je sais pas si vous vous en rappelez, il y en a peut-être qui étaient très jeunes à cette époque. Pour vous dire, moi j'avais 15 ans, 14 ans, 15 ans. C'était la première saison et elle s'appelait Sofia Essaidi. Je pense que vous savez qui c'est. C'était Loïc évidemment, mais Sofia Essaidi, vous vous rendez pas compte. En tant que danseur, comment vous expliquer? Danser avec les stars, c'est une compétition de danse certes, mais c'est avant tout de la télé. C'est avant tout du divertissement. Donc, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de la danse de compétition, ce que vous verriez sur une compétition. L'année de Sofia Essaidi, la première saison avec Maxime de Rémez, c'est ce qui m'avait donné envie de danser. Hein. C'était Maxime de Rémez avec Sofia Essaidi. C'est là où je m'étais dit, putain, je suis chaud de faire ça, moi. Techniquement, ce qu'elle faisait, les chorés qu'il faisait avec elle, c'était de la pure choré de compétition. Et elle était la meuf, était superbe, c'était exceptionnel ce qu'elle faisait. Évidemment, Loïc Noté, c'était le feu, Loïc Noté. Mais Loïc Noté, il avait déjà dansé énormément. Oh, quoi que Sofia Essaidi aussi, hein, donc je peux pas dire ça. Loïc Noté, moi, j'avais aimé, mais Sofia Essaidi, ça m'avait choqué, moi. Le niveau qu'elle avait. Taïk aussi, ouais. De toute façon, si vous regardez depuis le début de l'émission, ceux qui ont gagné à chaque fois. Attends, j'essaye de réfléchir pour pas dire de la merde. Mais je crois qu'à chaque fois, c'était quasiment que des gens qui avaient dansé. Si on reprend du début. Première saison, Matt Pokora. Ok? Vous me dites si je me trompe. Hein. Deuxième saison, c'était Shaim. Bon, les deux, ils ont déjà dansé. Très fort, les deux. Troisième saison, Alizé. Alizé, non. Alizé, c'était pas une danseuse. Mais elle avait quand même des facilités. Donc, c'était bien. Quatrième saison. Non, troisième saison. Non, c'était Emmanuel Moir ou Alizé? Non, c'était Emmanuel Moir. Merde. Je m'en rappelle plus. C'était qui? Emmanuel Moir, ouais, c'est ça. Ensuite, Alizé. Et après, c'est que des meufs, que des mecs qui ont gagné Danse avec les Stars. C'est que des mecs qui gagnaient Danse avec les Stars. Et là, cette année, vous pensez que c'est qui, vous? Qui va gagner? Merci, c'est gentil, Oneivana. C'est gentil. Merci. Ben Setti, très fort, bien sûr. Le nom de la communauté, j'ai pas encore choisi. Et je vous jure, quand Dal s'est terminé, je me focus sur Twitch pendant un bon moment. Ouais, Kayona, les gars, allez, elle est chouette, Kayona. Je me focus à fond sur Twitch et je vais streamer souvent parce que je surkiffe de ouf. Et je m'occuperai de tout ça. La commu, les noms, comment, les pseudos, régler setup, etc. Et on fera quelque chose de très propre. Non, c'est pas Natacha et moi, on gagnera pas, je vous le dis. Hein. C'est gentil, hein, ça me fait plaisir, mais on gagnera pas. Comme ça. C'est comme ça. Et puis, mais bon, nous, déjà, je vais pour vous dire les choses, pour vous dire la vérité. J'espère que personne de TF1 regarde ce live et regarderont la rediffusion. Mais quand j'ai démarré la saison de Dals, oui, vous inquiétez pas, je fais gaffe à ma santé. Enfin, je fais gaffe. Je ferai gaffe plus tard, mais je fais gaffe quand même. Quand j'ai commencé la saison, on m'a dit, donc, j'ai compris que j'étais avec Natacha Saint-Pierre. Et on m'a dit, quelques gens de la prod m'ont dit, écoute Anthony, tu seras donc tu es avec Natacha Saint-Pierre, tout ça.
Tu vas pas aller loin dans l'émission. Tu feras 4 primes. Si t'en fais 5, c'est ouf, tu vois. Alors moi, je leur ai dit, ok, d'accord, pourquoi? Ben parce que niveau de danse, elle a jamais dansé. C'est pas du tout une danseuse. Et on a vu son screen. Son screen, c'est son casting pour danser avec les stars. Parce que les célébrités passent un casting, entre guillemets. C'est pas un vrai casting, mais on appelle ça comme ça. Et ils m'ont dit, ça va pas du tout, quoi. Ils arrivaient pas à la faire danser. C'était compliqué. Donc moi, je suis arrivé sur l'émission, je me suis dit, bon, ben voilà, on va faire ce qu'il faut avec Natacha, débutante. Et en effet, elle arrivait, elle avait les pieds en dedans, les épaules qui étaient comme ça. Elle avait un petit côté garçon manqué, un petit peu quand elle bougeait. Et elle le sait tout ce que je dis, hein. Moi, je suis très cash avec elle. Et c'est ça que j'aime avec elle, c'est qu'on peut tout lui dire. Elle prend rien de mal. Prend rien de mal, elle est prête à tout entendre. Et ça, c'est génial, c'est du pain béni pour moi parce que je lui dis tout quand ça va, quand ça va pas. Et petit à petit, je la vois danser. C'est une bosseuse de ouf. De toutes mes partenaires, c'est avec Amandine Petit. Mais Natacha, quelle bosseuse. La meuf, elle part de zéro et elle s'entraîne comme une fada de ouf. Et moi, c'est trop bien, tu vois. C'est pour ça que j'ai perdu 8 kilos. Ça, elle est cachée, je pense. Bref. Donc, non, on choisit pas les célébrités. Hein. Là, je vois les gens qui commencent à dire ça. Nolwenn, tout ça. On choisit pas. On me dit, tu vas être avec Natacha. Elle part de zéro et tu feras pas plus que 4 primes, 5 primes, c'est le max que tu puisses faire. Et moi, petit à petit, je la vois danser et je me dis, les gars, vous m'avez dit que c'est pas le truc de ouf, mais il y a quelque chose à faire. La meuf, en fait, chaque semaine, elle progresse sur quelque chose en particulier. Les jambes, les pieds, les mouvements de bras, le port de tête. Il faut encore que je règle ses épaules, c'est très dur, elle a du mal parce qu'en tant que chanteuse, elle m'a dit, bon, peut-être qu'elle avait un truc de respiration qui fait qu'elle s'est toujours habituée à monter. Bon, c'est comme ça. Comme ça. Et là, les gars, on est en demi-finale, putain de merde. Vous savez quand est-ce que c'est la dernière fois que je suis en demi-finale? C'était en 2019. J'avais 8 ans. C'était en 2019. Et en fait, là, on est en demi-finale. On ne gagnera pas, pour plein de raisons. C'est comme ça, c'est de la télé. On ne gagnera pas. Mais qui sait, peut-être, il y a toujours des surprises, mais il faudrait que ça vote de ouf et il faudrait que plein de choses. Et bref, déjà, si je vais en finale, je vous le dis, pour moi déjà, j'ai comme l'impression d'avoir gagné l'émission parce que j'aurais jamais pensé aller en demi-finale avec elle. Si on va en finale, c'est bon. Je relâche la pression pour moi, l'émission elle est gagnée, c'est-à-dire que l'objectif est pire qu'atteint. On m'avait dit tu feras pas plus qu'en quatrième prime. Déjà on est en demi-finale, si j'arrive à l'amener en finale, quel bonheur. On gagnera pas, mais ça c'est pas grave. Alors je lis un petit peu parce que là je lis pas trop. Oui, j'ai fait la finale de Dalcy, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais tu as raison. Tu as raison. Alors, le jury met des notes cheloues. Ouais. Je m'en fous, je le dis. Oui, complètement. C'était lunaire le dernier prime. Lunaire, mais bon, c'est comme ça. Et si vous allez en finale, plus de cigarettes? Non, non. J'arrête de fumer si on gagne danser avec les stars, parce que j'ai quand même envie de fumer, c'est pas bien, hein, mais j'ai quand même envie de fumer. Donc je me dis, dans le pire des cas, ou dans le mieux des cas plutôt, si je gagne, si on gagne, pardon, ok, j'arrête de fumer. Ça voudra dire plein de choses. Ça voudra dire plein de choses. Pff. Ouais. Bref, ouais, les juges, pour revenir aux juges, non, les gars, le dernier prime, les notes, en toute objectivité, il y avait beaucoup de choses bizarres. Hein. Moi, alors, je vous le dis, je me suis fait défoncer sur des trucs Twitter, le nombre de DM que je reçois de gens qui veulent me défoncer parce que ils disent que je fais la gueule. Bon, bah, écoutez, quand t'es dans la zone rouge, là, que t'as l'impression que tu vas faire ton face-à-face, que tu vas être éliminé, excusez-moi, je suis pas comme un ouf, hein. J'ai pas envie de rigoler. Je suis concentré, je suis fatigué, j'ai bossé toute la semaine. Voilà, c'est comme ça. Puis j'arrive pas trop à faire semblant, moi. Quand je jouais dans Demain nous appartient, oui, j'y arrivais, parce que t'es comédien, c'est ton travail. Mais là, sur un truc comme ça, c'est pas de la comédie, faut rester quand même un minimum naturel, déjà que je trouve que je suis pas beaucoup. Bref. Et en plus, j'ai mal, comme tu dis, Nolwenn. Ça fait 2 fois que je te chope, là, Nolwenn, dans la chat. Je sais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce que vous me dites un petit peu? La finale, c'est quoi la mécanique? Bah, la mécanique, c'est pour ça que je vous dis que même si on va en finale, ça va être chaud de gagner, parce qu'en fait, dans les années précédentes, en tout cas, c'était ça, et je pense que ce sera pareil cette année, mais pas sûr, hein, autant je dis de la merde, hein, autant c'est faux ce que je dis, mais je pense que la mécanique, ça va être 3. Donc,
Je pense qu'il y aura trois personnes, ben c'est même pas je pense, c'est sûr, il y aura trois candidats, donc trois couples en finale. Et à la fin, il doit en rester deux. Mais comment ils vont faire pour sélectionner les deux derniers? C'est le jury qui va déterminer qui saute, qui dégage avant le vote du public. Et vous doutez bien que si on va en finale, on va sauter. Ils vont nous faire sauter, nous, qui que ce soit en face, je pense. Donc c'est pour ça que je dis que c'est foutu. Kev, je gagnerai jamais. Je gagnerai jamais, mais c'est pas grave, j'ai déjà gagné. Là, franchement, je vous dis la vérité, ce que j'ai gagné cette année, c'est beaucoup plus qu'un trophée. Le fait d'avoir découvert, grâce à Delcy, Michou, d'avoir découvert Twitch, d'avoir découvert tout ça, vous, voilà, tout ce qui est la communauté, tout ça, moi, ça me tue de dire ça parce que c'est que je suis totalement étranger à tout ça. Et là, ça me. J'ai comme un petit goût une excitation, c'est ça que j'ai gagné en vérité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, en vrai, gagner dalle, ça change rien. Ça va rien changer à ma vie. Ça va rien changer à personne. C'est de l'ego. T'es content, t'as gagné. La vraie victoire, c'est d'aller en finale. Ça veut dire que t'as fait tous les primes. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a là? On m'écrit, fais attention à ce que tu dis. Rien à foutre. Rien à foutre. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Alors. Wow, ça va vite, putain. Oui, je vais faire des lives sur des jeux, mais pas tout de suite après Dals. Je vous dis vraiment après Dals, ok? Parce que là, je pense que jusqu'à la finale, je vais faire. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à la finale, je vais rester classique. Comme ça, on va parler. Vous voyez ce que je veux dire? Qui m'a écrit ça? Je peux pas dire. Là, je peux pas dire. Mais plusieurs personnes qui regardent. Des gens proches de moi et des gens un peu moins proches. C'est pas grave, je m'en fous. Je fais ce que je veux. C'est la fin de toute façon. Alors, est-ce que la victoire a un impact financier, Poil de Pie? Poil de Pie, tu t'appelles, excuse-moi. Non, enfin en tout cas, moi, peut-être les autres, mais moi, c'est pas dans mon contrat. C'est-à-dire que moi, pour vous dire, je veux dire mon contrat, ce que c'est. Donc j'ai un salaire. Que je fasse. Dernier de l'émission, c'est-à-dire que je parte au premier prime, comme cette année Caroline Margeridon et Christian Millette, que je parte au premier prime ou que je gagne tant ça avec les stars, je suis payé exactement pareil. Néanmoins, les stars, pas toutes les stars, mais la plupart des stars, les candidats quoi. Anthony Collette, je suis le producteur de Dals, mesure bien tes propos, dernier investissement. Bon. Bah non. Donc. Je disais la finale, pas la finale, merde. Les stars, eux, par contre, ils ont, je crois pas toutes les stars, encore une fois, ils ont un cachet qui augmente à chaque fois qu'ils réussissent un prime, parce que bah, c'est pour les motiver, je pense, hein. Non, mais vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Je dis rien de fou là. Hein. Ces trucs sont déjà sortis, c'est juste que je le dis en live. S'en fout. Je prends trop la confiance? Non, je pense pas. En vrai, je suis comme ça. Hein. Il n'y a rien de fou. Hein. Je dis rien de fou là. Alors, qu'est-ce que dit? Mais non, c'est même pas la prod, c'est des fakes, vous inquiétez pas. Genre, ils vont m'écrire sur le chat, tantôt, ils ont mon numéro, ils m'ont rappelé direct. Là, les textos que j'ai reçus, c'est rien, c'est des copains. Pourquoi j'ai le bonnet? Parce que je suis pas coiffé. Attendez, j'essaie de lire, c'est pour ça que je parle pas là. Est-ce que tu penses qu'il vous allez sauter pour pas que vous ayez les voix du public? J'en sais rien. J'en sais rien. Il y a des choses qu'on maîtrise pas. Il y a des choses qu'on maîtrise pas. En tout cas, moi, je vais vous dire comment ça se passe dans ma tête. Oui, je m'entends bien avec Maxime. Complètement bien. Je m'entends avec tout le monde. Comment ça se passe pour moi dans ma tête, dans cette émission, en vérité? Surtout cette année, je pense qu'à la danse. Je ne pense qu'à la danse. C'est-à-dire que mon objectif, c'est chaque semaine d'essayer vraiment de faire un vrai show avec une meuf qui ne sait pas du tout danser. Et d'arriver à lui faire faire des chorés, bah, qui déchirent le plus possible.
Parce qu'il y en a dans cette émission, et c'est pas un reproche, hein, parce qu'il en faut, qui dansent déjà bien de base, qui ont déjà fait de la danse, qui sont très à l'aise avec leur corps. Donc c'est plus facile. Et tant mieux qu'on ait des gens comme ça, parce que ça permet d'avoir du beau show dans l'émission. Et après, tu as des cas comme Natacha ou Nico Capone, par exemple, que j'adore. C'est mon poteau, je le surkiffe. Ah ben, les mecs, ils démarrent de zéro. On arrive à faire des trucs bien. Putain, on arrive à faire des trucs bien, vous vous rendez compte? Imaginez-vous. Imaginez-vous là, vous êtes chez vous, demain on vous appelle et on vous dit voilà, demain c'est lundi, t'as jamais dansé de ta vie, tu viens et vendredi soir, donc jeudi faut que ce soit fini parce que tu répètes devant la production qui doit valider la choré, vendredi soir tu danses devant 3-4 millions de gens alors que t'as jamais dansé de ta vie et tu dois danser avec un danseur professionnel. Imagine ton cerveau à ce moment-là comment il va réagir. C'est méga chaud, c'est méga chaud, autant pour nous que pour les célébrités. Donc je vous le dis, faut respecter ça. Faut respecter même Nico Capone, parce que le mec, c'est un énorme bosseur. Je surkiffe. Et c'est bien ce qu'il fait. Le bougre. Le bougre. Roman aussi, bien sûr. J'ai oublié Roman, excusez-moi. Bien sûr, Roman et Anaïs, ce qu'ils font, c'est super. C'est super. Après, voilà, il y a des niveaux différents. Il y en a qui progressent mieux. Il y en a qui. Et puis c'est aussi, c'est vous qui choisissez le public. Donc c'est aussi vos affinités à vous. Il y a des gens que vous ne pouvez pas piffrer, j'en sais rien, vous aimez pas, ça vous touche pas, la sensibilité de l'artiste. C'est un tout, la danse c'est un tout, c'est pas que de la technique, c'est ce que ça va dégager, c'est ce que vous allez aimer de la personne. Le magnéto aussi qui passe avant la danse, ça permet d'avoir un. Comment dire? De créer un lien avec le public. Même si pour moi, les magnétos, on pourrait faire mieux, mais bon, ça c'est une autre histoire. Anna, pas Anaïs. Oui, Anna, enfin, elle s'appelle Anaïs, mais oui. Alors, ta barbe, elle pousse bien? Pas de ouf. Pas de ouf. Pas de ouf. Dites-vous que la dernière fois que j'ai fait le tango argentin où j'avais gardé que la moustache, là, depuis, je l'ai tondue une fois. Et ça commence à dater, c'était il y a longtemps. Ça met 10 ans. J'ai le corps en zigzag, les gars. N'hésitez pas à aller voir sur Spotify, Anthony Colette, ma chanson zigzag. Je suis trop content de ce que j'ai fait. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Après, vous avez le droit de pas aimer, mais moi, j'aime bien. Alors, de quoi vous voulez parler un petit peu? On peut pas. Posez-moi des questions sur Dals. On est là. J'ai l'air bien fatigué, Aquafire. Je sais, merci. Je sais. Alors, sinon, est-ce que ça farte? Est-ce que ça farte, les jeunes? Les jeunes? Depuis combien de temps je suis sur Twitch? Ah, depuis Dalcy, depuis la fin de Dalcy, il me semble. Est-ce qu'on s'est entraîné aujourd'hui? On a tenté de s'entraîner, on s'est entraîné, mais c'était dur aujourd'hui pour Natacha. Elle est vraiment fatiguée. Et quand t'es fatigué, c'est dur que le corps suive. Même si le cerveau a envie, c'est difficile. Bien sûr qu'on fera un live musique, pareil, après Dals, bien entendu. Des lives privés avec des gens de Dals. Ouais. Dites-moi des gens avec qui vous aimeriez que j'invite. Moi, j'aimerais bien dire à Jordan, mon pote Jordan, parce que c'est mon frérot dans l'émission. Bon, de toute façon, c'est tous mes potes, mais lui, c'est particulièrement chez les mecs. Et j'aimerais bien dire à Nico Capone aussi. Je serais chaud qu'il vienne. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, mais par contre, si on fait un live avec Jordan, ça va être carnage. Watcha. Parce que vous savez pas quand on est ensemble. On est un peu des ouf. On est un peu des saltimbanques. Des saltimbanques. Maxime de Rémez. Ah, mon Maxou, mon Maxou, mon Maxou. Ouais, on va refaire des lives avec Natou, exactement. Mais pas tout de suite. Parce que là, chacun est dans son truc. Elle est occupée, elle aussi, c'est normal. Elle a repris sa life après Dalcy. Ça se termine pas, hein. Comment on vient dans le public? Alors, c'est un peu une galère. Putain, vous m'avez donné une idée, mais attendez, je n'ai pas envie de dire de la merde. J'aimerais bien vous faire gagner une ou deux places pour la finale. Mais je veux pas, je veux pas, je peux pas vous le garantir. Mais je vais m'enseigner pour voir parce que ce serait cool que je fasse un petit tirage au sort, un truc comme ça, et j'invite deux abonnés de Twitch. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour vous remercier d'être là. Je ne peux pas inviter tout le monde, vous en doutez bien. Et je ne peux pas choisir parce que ce serait malhonnête. Et sinon, exactement, Ten Twitch, c'est l'agence IDYLE, IDYLE,
Vous allez voir leur site internet et je crois que c'est là, il y a un tirage au sort pour pouvoir être invité sur Danse avec les stars dans le public. Voilà. En tout cas, je vais essayer de voir si je peux faire ça. Si je peux faire ça, j'essaie d'organiser un truc pour vous, pour deux personnes de Twitch. Ok? Ah, j'ai reçu un message. Oui, tu peux, mais il faut demander à la prod avant. Pourquoi demander à la prod? J'invite qui je veux. Ah, pour les places, pour savoir si je peux avoir des places en plus, ok. Ouais, je me disais. Hop, vous m'entendez bien ou pas? Parce que j'ai bougé un peu un truc là. Alors. Ouah, ça va vite, ça va vite. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, si vous deviez faire un top 3, parce qu'à la base, c'est ça que je voulais faire, parler du dernier prime, si vous deviez faire un top 3 des danses, très honnêtement, de votre, sans parler technique, juste que vous avez aimé voir, des trois danses. Ça m'intéresse. Et je suis pas obligé d'être dedans avec Natacha. Si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas aimé. On s'en branle. Hein. Rien à faire, c'est pas grave ça. Keyona Inès Natacha, ouais. Ouais. Nico 2, Keyona 3, tu sais pas. Nico 1. Nico, Roman, Keyona. Nico, Keyona, Capone. Ouais, bah c'est. Ça paraît bien, hein. Cohérent. Est-ce que c'est plus dur pour les filles ou pour les mecs? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que bah, je vais y répondre. Alors, pour pas dénigrer, c'est plus dur pour moi, pour les candidats femmes et célébrités femmes que pour les célébrités hommes. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la danse en couple, le beau, ce qui est beau, la beauté du couple, c'est la femme. Le danseur, c'est le cadre, c'est le support, c'est lui qui met en valeur, il doit être beau évidemment. Mais c'est la femme qui va rendre la danse, qui va la sublimer en vérité. Donc, vous prenez un danseur, prenez un mec qui sait pas danser et une meuf qui sait pas danser. Vous prenez un mec qui sait pas danser, une meuf qui sait pas danser. Le mec qui sait pas danser, vous le mettez avec une meuf qui danse bien. Et vous mettez une meuf qui sait pas danser avec un mec qui danse bien. Vous allez toujours trouver que c'est mieux ce que va faire le mec qui sait pas danser avec la meuf qui sait bien danser. Parce que elle va faire un écart, une jambe, un truc, un machin, un là là. Et lui, il va la transporter, il va la, pas la guider, mais il va être le support pour qu'elle elle puisse sublimer. Par contre, le danseur qui est bon avec la candidate qui sait pas danser, si elle a pas de capacité pour faire un grand écart, je dis n'importe quoi, hein, grand écart pour être rapide, pour avoir de la tonicité, il va rien se passer. Il va rien se passer de beau. On va faire une chorégraphie, mais ça va pas être beau. Donc c'est plus compliqué pour les femmes candidates que pour les hommes. Est-ce que vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Je dis pas que c'est facile pour les mecs, hein, qui savent pas danser. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je dis juste que ça va forcément. Et puis aussi, réfléchissez 2 minutes, regardez, inconsciemment, dans la tête des gens, de manière générale, une femme et un homme, vous allez mettre à côté le même niveau, le mec s'il va bouger un petit peu, vous savez pas leur niveau, d'accord? Il va bouger un petit peu, mais pas le truc de ouf. Et une meuf à côté, elle va bouger un petit peu, mais pas le truc de ouf. On va toujours dire que le mec est meilleur que la meuf. Parce que dans la tête des gens, une meuf, c'est toujours mieux danser qu'un mec, parce que c'est une femme. Et un mec, on s'attend pas à ce qu'il sache bien danser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bête, hein, mais moi, c'est un truc que je me suis aperçu au fur et à mesure des années dans ce que les gens peuvent imaginer de la danse. Donc, ils sont toujours plus impressionnés de voir un mec qui va un petit peu bouger, alors qu'il y a une meuf qui va avoir le même niveau que lui, elle va un petit peu bouger. Ben, vu comme tu t'attends à ce qu'elle danse mieux que le mec, ben, tu vas trouver ça moins bien, alors qu'en fait, ils ont le même niveau. Et c'est là qu'après, il y a des différences chiantes qui arrivent. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, j'essaie de vous expliquer parce que c'est des choses
qu'on ne dit pas assez. Et je trouve que c'est important. C'est vrai ce que tu dis à Anaïs, Chris, il y a du vrai. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je dénigre pas, je veux pas dire que c'est facile pour les mecs, je dis juste que il y a cette petite subtilité dans la différence, mais qui change beaucoup de choses. Qui change beaucoup de choses. Maxime le disait aussi sur André Magnéto, Stéphane peut-être, j'ai jamais vu. Mais le jury qui m'impressionne le plus, personne. Bah personne. Mais après, si je devais dire le jury, le juge qui me. Pas que je respecte le plus, parce que je les respecte tous, ils sont tous très bons. Mais celui que quand même que j'admire le plus par sa carrière et sa pédagogie et la personne humaine qu'il est, c'est Jean-Marc Généraux. 100 fois. Et j'aime bien Mel, j'ai découvert cette année, j'aime beaucoup. Mais Jean-Marc Généraux, c'est le best. Les standards plus durs pour les hommes et les latines plus durs pour les femmes. Il a un peu, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Mais quand même. Qui est-ce que je vois en finale? Ah putain, je peux pas dire. Là, je peux pas dire. J'avoue. Pour plein de raisons. Je peux pas dire. Vous comprendrez après Dals. Mon contrat sera terminé. Alors. Normal, Jean-Marc, il est québécois. Alors, je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, je le surkiffe. Mais vous vous rendez pas compte le talent qu'il a, ce mec. Hein. On le voit comme ça, là, en train de dire des conneries avec son accent québécois. Nanana. C'est un Stremont, le mec. C'est un Stremont dans toutes les danses en couple. Ça va leak après Dals, Marine. Ça va leak. J'ai appris ce mot aussi il y a 2 semaines, il me fait bien rire. Alors, qu'est-ce que ça dit un peu là? Il y a des dossiers après Dals, bien évidemment qu'il y a des dossiers. Mais pas tout de suite. Bon, on va rigoler. Alors. Tu arrêtes à la fin de la saison, j'arrête quoi à Dals? Je sais pas. Non, non, je sais pas. Je dis. Déjà, cette année, je ne pensais pas la faire. Finalement, j'ai été convaincu. J'ai été convaincu pour des raisons principalement financières à la base, pour vous dire la vérité, en toute honnêteté. C'est comme ça. Alors, non, je vais, j'ai pas, non, Virginie, je sais que je peux avoir l'air dégoûté parfois. C'est juste que je suis fatigué. C'est juste que, on vous rendait compte que on est sur Dals depuis fin janvier. Et j'enchaînais en même temps Dalcy. Je suis éclaté. Je suis mort. C'est pour ça que je suis KO un peu. Mais je suis pas dégoûté. J'aime beaucoup cette émission. C'est génial cette émission. C'est grâce à cette émission que j'arrive à vivre de ce que j'aime le plus au monde, d'une certaine manière. Comment va ma chérie? Ben, ma chérie va très 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 bien. Elle est dans le salon à côté. Elle attend que j'ai terminé. Et après, on va regarder un petit truc. Se faire un petit bisou. Voire deux, voire trois. Et plus si affinité. Non, je déconne. Peut-être pas. On verra. Alors. Vous êtes tous crispés à la télé? Ah ouais, à ce point-là, tous? Parce que nous, on n'a pas les retours. Donc je sais pas en vrai. Et je regarde pas les replays. Je m'en fous. Je regarde que ma danse. J'en ai rien à faire du reste. Ben, ça sert à rien, on le vit le Prime, je vais pas re-regarder. Et une fois j'avais pas fait le Prime, c'était l'année dernière, j'étais malade, je sais plus ce que j'avais eu, mais j'étais genre bien 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 malade. J'avais pas pu aller au Prime pour la première fois depuis que je fais Danser avec les Stars, et je l'avais regardé à la télé. Qu'est-ce que c'est long! C'est bec de long avec les pubs. C'est ouf. On se rend pas compte, parce que les pubs, pendant qu'il y a les pubs, nous on est. Moi je vais fumer une cigarette, ou je vais.
je vais boire, je vais parler un petit peu et ça passe méga méga vite. Mais quand t'es à la télé, quand t'es dans ton canapé que tu regardes, c'est méga long. C'est fou la différence du direct quand tu vis le truc et quand tu le regardes à la télé, c'est fou la différence. Et on dirait quand on le regarde à la télé que il y a presque pas d'ambiance, genre que ça fait, il y a des silences parfois hyper gênants. Alors que pendant le truc, il se passe pendant le live quand on est sur l'émission, il se passe toujours plein de choses, toujours 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 toujours. Ouais, j'ai. Quand j'ai vu les autres candidats, est-ce que il y en a un autre avec qui j'aurais aimé danser? Ça aurait pu être marrant avec. Non, mais ça aurait fait chelou, je suis trop petit et trop fin à côté de Kayona. Ça aurait été drôle, Kayona, en vrai. Ça aurait été marrant de faire. Peut-être pas toute la saison parce qu'on irait pas bien physiquement ensemble. Mais de faire un switch, un prime, ça aurait été drôle, j'aurais pu. Complètement. Parce que j'aime beaucoup. Elle est bon délire. Qu'est-ce que tu dis? Non. N'empêche, je t'adore, mais il n'y a pas à être autant à l'aise et prendre autant d'aisance sur Twitch, Anthony. Oh, Loan, tu sais, hein, on s'en fout un peu. Hein. Sinon, je parle jamais. Hein. Alors. Un danseur, il gagne comment sa vie s'il n'est pas prof? Ouais, il y a plusieurs moyens de gagner sa vie grâce à la danse. Tu peux être prof, ouvrir ton école, tu peux donner des cours particuliers à domicile, tu peux performer pour des. Tu rentres dans une troupe, tu peux aller. Tu peux faire quoi? Tu peux faire de la télé, ce qu'on appelle des danses commerciales, tu vas danser sur des trucs comme la Star Academy, des trucs comme ça. Après, c'est du réseautage. Il faut monter à Paris ou connaître quelqu'un, aller faire des cours. Il y a des endroits à Paris qui s'appellent l'AC Studio et le Studio Harmonique, je crois. Tu vas là-bas et tu te fais du réseau facilement. En vrai de vrai. Tu te fais du réseau facilement. Et c'est comme ça que ça marche. De toute façon, c'est que ça. C'est que ça, la vie. C'est que du réseau. C'est connaître des gens et être bon. Faut pas être le meilleur. Faut être bon. Faut être bon et connaître des gens. C'est comme ça que ça marche. J'ai compris. Pas besoin d'être le meilleur. Si t'es le meilleur, c'est encore mieux. Mais pas grave, si t'es pas le meilleur, on s'en fout. Tu n'étais pas dans la troupe à Laurent Danse de Chris Marquez à son tout début. Non, pas à son tout début, mais j'ai failli le rejoindre. En fait, il y a eu le confinement et pendant le confinement, j'étais un peu en dépression pour vous dire la vérité. Vraiment, j'étais pas bien du tout, mais on en reparlera un jour, pas ce soir. Et j'avais plus de travail, j'avais plus rien, comme plein de gens. Je vais pas me plaindre, comme plein de gens, et je pense qu'il y en avait plein qui étaient dans une situation pire que la mienne, mais bon. Là, je parle de moi. Personnellement, j'étais pas bien. Et il m'avait proposé donc de faire Laurent Danse. Et moi, ben, j'avais accepté pour des raisons, ben, parce que j'avais envie, et puis pour des raisons aussi quand même financières. Et puis après, ça s'est reporté à cause du Covid, etc. Puis finalement, après, j'ai été appelé pour faire Demain nous appartient en tant que comédien et d'autres projets. Et j'avais plus le temps pour ça. Donc du coup, j'avais appelé Chris et on s'était très très bien, c'est très bien passé. Il m'en a pas voulu, je pense, j'espère, mais je pense pas. Il avait été très correct. Il avait compris que j'avais pas le temps, et donc voilà. Du coup, je ne l'ai pas fait. Et je pense que physiquement, je tiendrai plus. C'est pas que je suis vieux, mais c'est que je c'est dur quand même. C'est physique ce qu'ils font. Un live avec Inès, Elsa et Alizée, carrément. Je suis chaud de le faire avec les trois, hein, carrément. Tu t'entends bien avec Adrien Caby? Alors Adrien Caby, c'est une crème. Je vous le dis, c'est une crème. Une crème. Je le surkiffe de ouf. Il fait chier personne. Il est bon dans ce qu'il fait. C'est un bête de danseur. Il fait des bonnes chorégraphies. Il est gentil comme tout. C'est pas un fêtard, un mec qui parle, qui fait des commérages. Il en a rien à foutre, il fait son taf. Et c'est un passionné de danse, un vrai passionné de danse. Et ça, c'est génial. Alix Grousset, il y a quelqu'un qui m'a envoyé par texto. Il y a Alix Grousset, je sais pas, vous voyez qui c'est Alix Grousset, je la surkiffe, qui a mis qu'elle voulait une interview, si j'ai bien compris. Attends, elle est où? C'est où le message? Putain, je ne l'ai pas vu, j'essaie de le chercher. Alix Grousset, merde, je ne le vois pas. Bon. Alix. Envoie-moi un DM. Envoie-moi un DM, on va organiser ça.
On va organiser ça sans problème. Donc voilà, et James Denton, ben c'est simple, c'est le mec le plus humble de l'émission. Voilà, ça résume tout. Ça résume tout. Le mec, c'est le mec le plus humble de l'émission, le plus sympa en termes de... Il se la pète zéro, il fait chier personne, et il n'y a pas de souci. Tout va bien avec ce mec. Et le pauvre, c'était dur pour lui. Depuis janvier, il voit pas sa famille, il est là en France dans un Airbnb. Le pauvre, je pense qu'il est bien content de rentrer chez lui, pour vous dire la vérité. Et Lenny, ce serait génial de quoi? Lenny de la Starac? De quoi ce serait génial de quoi? J'ai pas compris. Emmanuelle Berne et Katrina, c'est quoi leur poste? Elles sont chorégraphes, assistantes chorégraphes. C'est-à-dire qu'elles viennent vérifier si les chorés sont aptes à passer à la télé. Si c'est si la direction artistique qu'on nous envoie en début de semaine est respectée pour la production. Elle gère tous les danseurs que vous voyez additionnels. On appelle ça les danseurs additionnels qui viennent danser autour de nous. Pendant que nous, on danse notre prestation, il y a souvent des danseurs de groupe qui viennent. C'est eux qui gèrent, qui font les... Enfin, ils ne font pas les chorés tout le temps, mais ils les font avec nous. Ils viennent nous aider, nous appuyer, nous... Voilà, c'est leur rôle. Et c'est eux qui préparent les chorés de groupe et les chorés d'ouverture. C'est du taf, ça, hein, putain. Danser avec Lenny dans Danser avec les stars. Bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, elle danse bien, je crois. J'ai jamais de partenaires qui sont danseuses, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est des meufs qui savent déjà danser. J'ai jamais eu. Ça doit être cool, hein. Ça doit être cool. Mais d'un autre côté, vous voyez, des profils comme Natacha, c'est quand même incroyable parce que vraiment, tu vois une évolution de ouf. Alors que les danseurs qui savent déjà danser, ils vont pas évoluer vraiment. Ils vont juste être bien. Tout le temps, plus ou moins. Alors quelqu'un comme Natacha, elle démarre de zéro et moi je vois, mais vous peut-être un peu moins, mais moi je vois et ça me rend fier de voir une vraie évolution et ça c'est ouf. Mais sinon oui, une fille comme Lenny de la Starac ou même Elena, je crois qu'Elena de la Starac, j'ai suivi la Starac cette année. Pas l'année d'avant, j'ai pas suivi. Pourtant j'en connais quelques-uns avec qui j'ai fait des soirées, mais cette année j'ai suivi un peu et il y avait Elena aussi. Elena elle danse bien, je crois. Elena et Lenny elle dansait bien. Tu as raison, O'Neill, le problème des gens qui savent danser, on sait dès le début que soit ils vont gagner, soit ils vont au moins en finale. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Donc ouais, Lenny ou Elena, si on parle de la Starac, là, comme vous êtes en train de dire, je suis d'accord. Putain, ça fait déjà 50 minutes qu'on a démarré. Ça passe vite. Michou, la dernière fois, il me disait des fois je stream 5 heures d'affilée. Je me disais, mais t'es un ouf. Comment tu fais? En fait, c'est évident que si tu t'arrêtes pas de parler et de lire, en vrai, c'est pas compliqué, hein. Les gens, ils m'ont dit, tu vas voir, c'est pas aussi facile qu'on croit et tout de faire des live Twitch, comme ça, en just chatting, comme disent les jeunes. Mais en vrai, en fait, tu lis et tu réponds. C'est cool, quoi. Enfin, je sais pas. Ça me paraît pas compliqué. Peut-être que je le fais mal et je m'en rends pas compte aussi, c'est possible, vous pouvez me le dire. Et oui, Natacha, 43 ans, hein, c'est dur, hein, c'est dur. Tac, tac, tac. T'es bien en ce moment, Mathilde. T'es bien en ce moment. Je fais ce qu'il faut. C'est dur la fin, là. C'est dur la fin de dalle. Surtout que, comme je vous dis, la finale, je sais pas si on va y aller. Moi, c'est mon rêve d'y aller vraiment, parce que la dernière fois, c'était en 2019. 2018, 2018, 2018, pas 2019. Et depuis, j'ai jamais fait. Et même si je sais qu'on gagnera pas, ce serait une belle victoire pour moi d'avoir amené Natacha alors qu'on me disait que je ferais pas plus de 4 primes. C'est une fierté. Ensuite, on en est où là? On te voit très peu avec Élisée. Bois, êtes-vous proche en dehors de Dolls? Ouais, on se voit pas tout le temps parce que chacun a... à sa vie, mais je surkiffe de ouf, Alizé. On s'apprécie. Alizé, Elsa, les deux. On va t'amener en finale, c'est gentil, Smoons. C'est gentil. On verra. On verra. Mon cachet de Dals, je le reçois avant ou après Dals? Pendant. C'est toutes les semaines, je crois. Je sais plus. Faut que je re-regarde. Mais en tout cas, c'est échelonné.
Ensuite, alors attendez, parce que là j'ai raté plein de questions. Avec Christophe Ficata, ça va, bien sûr, tout va bien, Christophe Ficata. Tout va très bien. Alors, wow, ça va vite là. La foire du trône. Bien... Non, je suis jamais à la foire du trône. Je sais pas si j'irai. Je crois que c'est pas trop, mais c'est pas des trucs que je kiffe de ouf. Mais par curiosité, je devrais y aller au moins une fois. Alors ensuite, les. Oh, 2 secondes, je m'étire le dos. Isha! Isha, vous avez vu la souplesse? Oh. Je sais même pas combien on est là. Je le vois pas là. On doit pas être beaucoup. Un dimanche soir comme ça. Et puis j'ai prévenu un peu tard. C'est pas grave. C'est pas le but. Le but, c'est qu'on puisse bien parler. Oui, j'ai promis MixD. Si on gagne, j'arrête de fumer. Mais bon. 3003? C'est beau, hein? Putain. Ah, je suis content. J'aurais pas pensé. Mais quoi est-ce que je le vois, ça? Bon, on s'en fout. Alors, attendez, je regarde juste un message que j'ai reçu. Oui, c'est bon. Alors, quand est-ce que je dors? Ben là, c'est pour vous dire, vous savez ce qui va se passer quand je vais éteindre le stream là? J'éteins le stream, je vais manger un petit truc. Et jusqu'à. Normalement, c'est jusqu'à 3h du mat que je fais ça. Parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis plus fort la nuit pour créer, décorer. Alors que c'est complètement faux, c'est moi et mon cerveau. C'est une habitude que j'ai pris. Et jusqu'à 2h, 3h, ça m'est déjà arrivé 4h. Je vais imaginer, voilà les variations que je préfère. Des blocs de coré, qu'est-ce qui pourrait lui aller? Tac, des issues de secours, des solutions de secours, nanana. Et après, demain, je vais attraper Natacha et je vais la massacrer de mouvements jusqu'à ce que je trouve ce qui marche. Combien de temps? Eh bien, ça dépend. Des fois, je peux le faire. Des fois, Natacha, on a fait la choré en une journée. Faire la choré, ça ne veut pas dire que ça passe en musique. Mais juste, on a la mécanique, la structure, le squelette. Et parfois, j'ai terminé la choré la veille du prime. Et ça passait en musique que le soir même. Donc, ça dépend. Parce qu'il y a des danses qui sont plus faciles pour elle et parfois un peu moins. Là, par exemple, vous voulez que je vous donne un petit. J'ai parlé. Oh, on est quoi? On est en dimanche? Non, ils n'ont pas encore sorti. Bon, c'est pas grave. Je vous donne une petite, deux, un indice sur ma danse que je vais avoir avec Natacha et un indice sur la musique. D'accord? Alors, indice sur la danse. Un indice sur la danse. Attendez, il faut que ce soit pas trop cramé, hein. Mais non, mais je peux le dire. Là, j'ai reçu un petit message, on me dit, ne dis pas trop de choses, t'as déjà dit beaucoup. J'ai l'impression d'être espionné, ça me fracasse. Oh, ça va, c'est bon, hein, c'est de la danse, on s'en fout. Non, non, je vais vous dire un petit indice. Un petit indice. Si, si. Si, si. Si, si. C'est l'indice. Si, si. Ok. Indice pour la musique. Vent victorieux. Vent victorieux. Ah putain, je me fais rire tout seul comme un con. Oh, si, si, la famille, exactement. Si, c'est la famille. Putain, il y en a qui ont trouvé déjà, ils sont chauds. Il y en a qui sont chauds. Eh, ça reste entre nous, hein. Vous le dites à personne, hein. Sinon, je vais te virer. Heureusement que on n'est pas beaucoup, hein. Heureusement que c'est pas sur le net en direct.
Espèce de veau. Ah non, j'ai pas spoil. J'ai zéro spoil, hein. Ah non, non, non. Vous pouvez pas me dire que j'ai spoil. C'est des conneries, ça. Ça, c'est des conneries. J'ai donné des indices. Après, si vous êtes fort, ben vous êtes fort pour trouver, qu'est-ce que tu dises? On est en petit comité, là. Ok? Non, mais oh. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. On sent ouf. On sent ouf. Putain, il y en a qui ont bien tout trouvé, hein, quand même. Hein. Après, c'était facile. Hein. L'année prochaine, s'il nous dit qu'il n'est pas pris, on saura pourquoi. Marben, je t'adore. Parce que t'as pas totalement tort. C'est pas grave, je ferai Dalcy. J'espère que. Sauf si Michou, il décide d'arrêter. Mais bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, on va. Non, oui, c'est normalement, on va aller faire les vacances de Dalcy, mais c'est chaud à organiser. Hein. Parce que tout le monde a son planning et ses trucs prévus déjà. Donc. C'est une galère un peu, mais on va faire ce qu'il faut. On va essayer de trouver un petit moment. On est déjà en train de le préparer. Est-ce que je joue Animal Crossing? Non. Est-ce que je vais être streamer à 100%? Peut-être. Comment se lancer dans la danse, Adrien? Tu trouves une école de danse à côté de chez toi? Tu ouvres la porte? Tu rentres? Tu vas voir le prof. Et c'est ça le plus difficile. Après le reste, je te jure, c'est trop facile. Et je te jure que c'est vrai. Le plus difficile, c'est de faire ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Le plus dur, c'est de faire le premier pas, d'ouvrir la porte, d'aller voir. Et là, tu vois plein de gens qui savent danser. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et en fait, du moment que tu commences, tu vas voir que les gens, en vrai, tout le monde s'en fout. Personne va te regarder. Tout le monde s'en branle. Tu vas juste commencer à faire des pas et à apprendre. Et à kiffer. Et le reste, ça vient tout seul. Voilà, je te promets que c'est que comme ça. Alors, la voix de veau. Une voix de veau. Moi, c'est à Aubagne que j'ai appris à danser, à côté de Marseille. À côté de Marseille et de la Ciotat. Oh! École Barbieri. C'est ça, Elisa. École Barbieri à Aubagne. Meilleure école de danse si vous voulez apprendre à danser en couple. Moi, en fait, quand j'ai voulu apprendre à danser, je voulais apprendre à danser les danses standards à la base. La valse, le tango, foxtrot, quickstep et valse lente. Parce qu'il y a valse viennoise et valse lente, c'est pas les mêmes. Ou appelée valse anglaise. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pas ça. Ils faisaient que les danses latines. Donc j'ai fait les danses latines et au final, ben, j'ai eu raison parce que c'est ce qui m'allait le mieux. Oh, tiens donc. Hashtag leak ou quoi? Qu'est-ce qu'on se marre? Qu'est-ce qu'on se marre? Pourquoi es-tu aussi populaire? Je sais pas si je suis populaire. Hein. Non, je pense que. En vrai de vrai, je pense que Dalcy, là, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je pense que les gens ont. Il y a plein de gens qui me connaissent. Je le vois dans la rue, qu'on me reconnaît, parce que Dal, c'est quand même un programme qui est beaucoup regardé. Voilà. Mais on ne me connaît pas vraiment. On connaît ma gueule à la télé. Et encore. Tout le monde ne connaît pas, évidemment. Mais on ne me connaît pas. On ne sait pas qui je suis. Je parle pas. À la télé, on passe le micro que quand ils ont envie que je dise. Oui, je suis très fier de toi, Natacha. Sinon, le reste du temps, on ne me demande pas mon avis, on n'a rien à foutre de ce que je pense. Alors que sur Dalcy, il y avait un côté, allez, on n'a rien à foutre, quoi. Tu dis ce que tu veux, si tu as envie de dire ça, tu dis ça. Je veux pas dire que Dalcy est moins bien. Parce que Dalcy, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever. C'est que déjà, Dalcy n'existerait pas sans Dalcy. Et Dalcy, il y a des moyens de malade, de ouf, pour faire ce que tu veux comme chorégraphie. Et ça, c'est quand même. C'est un kiff. C'est un énorme kiff. Bref. Oui. Camille Combal. En fait, on me passe le micro pour dire. Et moi, je dois juste dire.
Oui, c'est vrai que nous avons beaucoup travaillé cette année, enfin cette semaine, c'était compliqué, mais je suis très fier de toi et merci pour cette prestation parce que nous vivons semaine après semaine. Merci Camille. Et je lui rends le micro. Et là après il dit, eh bien bravo, c'était une super danse, en tout cas, moi je vous aurais mis un 10, n'est-ce pas Chris? Nanana. Et voilà, ça se charrie. Et après, nous, ils nous foutent des 5, des 6, on va sur le fauteuil rouge. Et on attend. Et voilà, c'est ça la life. Putain. Ouh. Attention frérot. Pourquoi? Camille, c'est le best, n'empêche un animateur. Il est chaud. Hein. Vous savez, il a un prompteur, mais il le lit quasiment jamais. C'est le seul que je vois faire ça. Hein. J'en ai vu des animateurs. C'est le seul qui improvise comme il veut. Il est trop chaud ce mec, j'adore. Et en plus, il est drôle. C'est le best. Vraiment. Et il est, comme vous le voyez à l'écran, il est pareil dans la vie. Cette simplicité. Il vient avec nous les danseurs dans notre loge. Il vient, enfin, il détente, il a un t-shirt, il en a rien à foutre. Il fait que blaguer avec nous. Il est trop cool ce mec. Je l'adore. Je l'adore de ouf. C'est l'école à Nouna, ouais, un petit peu. Hein. T'as raison, c'est vrai. T'as complètement raison même. Je ne voudrais pas que tu baies les subs sur ma chaîne qu'on te soutienne, c'est gentil, mais je sais même pas comment on fait. Et puis en vrai, pour le moment, je m'en fous un peu. Je fais pas ça pour m'envoyer des subs. Hein. J'ai compris ce que c'était. Mais je l'activerai plus tard. Je sais même pas comment on fait, il faut que je demande. Je m'en suis pas occupé. Pour le moment, je veux juste parler et kiffer. Ensuite. Ah Loan, Cortez, non, j'ai pas encore ouvert le cadeau. Pour te dire, j'ai pas ouvert le cadeau, j'ai pas eu le temps de ranger mes affaires du Prime, donc il est encore dans mon sac. Donc, enfin, je vais pas tout raconter, mais j'ai le temps de rien. J'ai le temps de rien. Mais t'inquiète pas, Loan, j'ai pas oublié le cadeau. Loan, c'est une abonnée qui me suit depuis le tout début, quand j'avais 22 ans que j'ai démarré Dals. Ça a été une des premières avec une autre qui s'appelle Christelle Maquin aussi. Il y avait Val Puyrave et il y en avait d'autres que j'oublie. Julie Jourdan. C'est les premières qui m'ont soutenu et avec qui j'ai gardé contact. Quand je peux les faire kiffer, les inviter sur le plateau, ben je les invite. Voilà. Et je lui fais des gros bisous. Très malsaine la saison, tu trouves, Aurel? Te le fais pas dire. Oh, j'ai eu un bug là. J'étais en train de. Bon, il faut que je lise un petit peu là. Désolé. Tu danses trop bien, en plus, tu me tues de rire. Toi, tu me tues de rire. Toi, Mathilde. C'est toi qui me tues. Des vidéos avec Michou de prévues? Non, pas encore, mais pourquoi pas? Bah, pendant Dals, je ne vais pas faire grand-chose. Il reste 2 semaines et on veut faire un truc avec Bouzy, le bouseux. Il veut me faire faire un. Qu'est-ce qu'il veut me faire faire? Il fait pas du karting, du drift, ça s'appelle. Bref, un truc de voiture. Et moi, j'ai peur des trucs comme ça. Et il veut qu'on fasse un genre de vlog, une vidéo où je pars chez lui là-bas pendant 2-3 jours et on fait ça. Donc je pense qu'on va l'organiser bien. Bientôt, drift, c'est ça. Bien joué. Peaches, LG Banks, Year One, brr brr. Ok. Faut instaurer le dimanche live. Meilleur moment de la semaine. Oh, t'es gentil. C'est gentil. Alors, tu vas faire des reacts. C'est quoi les reacts déjà? Je me rappelle plus. Oh, le boss, Farah. Rocket League après Dals, j'ai dit. Après Dals, je me bute. Sur Twitch. YouTube, ah YouTube, j'ai un peu la flemme, j'ai l'impression que c'est chaud quand même. En fait, j'ai un côté un peu flemmard quand même, les gars, moi, malgré tout. J'ai l'impression que YouTube, il y a beaucoup de prépa à faire et tout, des trucs, des machins pourris, parce qu'il faut faire tant de likes pour que ça marche, machin. Et ça, c'est pas trop mon délire, ça. Je sais pas, après, je dis ça, peut-être que je le ferai, mais. Je réagis à une émission et je commente. Ouais, on pourra le faire, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Dites-moi les émissions que vous voulez que je regarde et je le fais, hein.
Ma copine pense quoi de Twitch? Elle pense que c'est une très bonne idée, qu'il faut que je me lance dessus parce qu'elle m'a dit qu'elle me trouvait très très à l'aise et très bon. De toute façon, elle m'encourage dans tout, c'est la meilleure. Ça, je vous le garantis à 1 milliard de milliards de milliards de pourcents. Ensuite, j'en ai des modos. Tu me dis, prends-toi des modos, j'en ai des modos. Enfin, j'en ai. On m'aide en tout cas, et je les remercie. Hein. Merci, merci. Ils sont gentils comme tout. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça raconte? Anthony Collette qui regarde les anges. Ouais, on peut parce que j'ai très peu regardé ça. J'avais regardé un petit peu quand j'étais plus jeune. Mais je connais pas de ouf en vérité. Donc ouais, carrément, on pourrait faire ça, ça peut être marrant. Mais il faut mettre une bonne saison avec des bons passages parce que j'ai pas tout me taper. Hein, la flemme. C'est pas un truc qui me fait kiffer. Mais si ça pourrait être un truc très drôle, parce que moi je vais vraiment dire ce que je pense. Et ça va être très drôle. Marié au premier regard, je peux crever, ça c'est évident. Il y a quoi aussi comme émission que ça peut être drôle? Dancing with the Stars aux US, de ouf. Ça c'est une bête d'idée, Loan. Bête d'idée. De ouf. Moi en plus j'ai mes danseurs préférés. Hein. Sur Dancing with the Stars, j'en ai deux en tête. Derek House. Et Valentin Kamrowski. Et Best. Et Gleb aussi, il est pas mal. Next, next, ça peut être drôle. Ah, Mira, très bon ton commentaire. L'amour est dans le pré. Ouais, mais l'amour est dans le pré, le truc, c'est que j'ai pas envie de me moquer d'eux. Ils sont gentils, les pauvres. Et les gens, ils s'acharnent dessus, ça me fait de la peine. Moi, je les aime bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, Derek House, c'est le GOAT. C'est. Il est là, il est au-dessus de nous tous, les danseurs de Dallas, hein, il est au-dessus de nous tous. Il nous fracasse. Pascal le grand frère, en plus je le connais, donc je pourrais grave le faire. Il trouverait ça très drôle. Marc Ballas, ouais, très chaud Marc Ballas. Vous avez vu la saison, la dernière là, avec. Je sais pas si c'est la dernière, avec la TikTokeuse là. Comment elle s'appelle? Putain. D'Amelio, Charlie D'Amelio. C'est chaud ce qu'ils ont fait. Trop forte la meuf. Tu vois, une meuf comme ça, il n'y a pas en France, ça n'existe pas. Peut-être une meuf genre Elena de la Starac, Lenny de la Starac, ça peut être des meufs, mais pas aussi forte. Elle est vraiment forte. Oh, j'étais kécho, on aurait dit une vraie danseuse de salon. Avec quand même pas mal d'erreurs, si on est objectif en termes de danse, mais pour l'émission, c'est excellent. Oui, voilà, elle dansait déjà, c'est ça, t'as raison. Cauchemar en cuisine, ça peut être rigolerie. Ça peut être rigolerie. Oh, donc du coup, là, je m'intéresse un petit peu sur les trucs Twitch et tout. Et j'ai vu, donc il y a un gars là qui est méga connu sur Twitch. Moi, je voyais qui c'est, mais je connaissais pas, donc je suis allé voir. Amine. Et on m'a dit qu'il. Enfin, je suis allé voir. Et ils organisent, je sais pas trop quoi, avec Neymar, un tournoi de foot et tout. Et. Mais c'est fou d'arriver à faire des trucs comme ça. C'est incroyable, quel kiff! Mon rêve de faire un truc comme ça. Jouer au foot, faire un tour au championnat du monde, ouvert à comme ça, là, avec. Mais c'est déclassé! Je serais bouillant, moi, de faire un truc comme ça. La Kings League, exactement, gars, c'est ça, Samy. Je serais bouillant de faire ça. Ouais, voilà, Amine, c'est le chef Twitch, c'est ce qu'on m'a dit. Amine Mathieu, je sais pas comment on dit. C'est ça, on m'a dit que c'était le chef, d'une certaine manière. C'est fou. Et oui, Squeezie, j'avais vu sur YouTube qu'il avait fait la course de voiture. Mais ça, je suis moins chaud parce que je crois que j'ai peur de le faire, de me faire mal. Voilà. Charles Guillaume Schmitt et Léa Salikova, bah eux, c'est des Stromons de la danse, hein. C'est imbattable. Donc voilà. Non, un truc qui serait trop bien à faire, c'est un Koh-Lanta des gens de Twitch. Comme il a fait Michou. Pour Dals, en faisant Dalsy, faire un Koh-Lanta, mais avec des gens de. Alors, ça, je suis extrêmement bouillant de le faire. Genre, chaud. Alors. Est-ce que j'ai des. Ouais, on pourra faire des concepts autour de la danse, carrément. Carrément. J'ai des idées, hein. De reproduire des petits. Non, non, j'ai des petites idées, mais. Chaque chose en son temps, messieurs, dames. Chaque chose en son temps.
Tier list, ouais. Budget à mettre, évidemment, Antoine. C'est ça le problème. C'est toujours l'oseille. Mais Anto, il est bouillant pour tout. Et Linette, pour presque tout. Mais on va dire pour tout. Parce qu'il y a peu de choses que je ne veux pas faire. Danser avec les stars et des inconnus. Tu sais, Carla, il va te dire un truc. Bien sûr que ce serait ouf. Et en fait, ça, je l'entends depuis que j'ai commencé. Dals, c'est même avant, les gens le disaient, ce serait bien de faire danser avec les stars et des inconnus. Personne n'a jamais fait. Eh bien, faudrait qu'on le fasse. Faudrait vraiment qu'on le fasse. Mais ça se réfléchit bien à l'avance. Mais il faudrait vraiment le faire. Parce que depuis des années, les gens le disent. Et personne n'a jamais fait. Il faudrait vraiment le faire. Alors, on ne pourra jamais le faire avec un plateau danser avec les stars, c'est impossible. Ils voudront jamais. Mais de faire un vrai bail. Un vrai bail. Je sais pas comment l'organiser, mais ça pourrait être un vrai truc. Ensuite, on en est où? On est combien là? On a dû baisser. Là, ça fait déjà longtemps qu'on y est. Tu connais Adé Laurent? Adé Laurent, c'est le gars de OnlyFans là. 3100, c'est bien. C'est bien. Enfin, en vrai, c'est bien. Pour être 1000, je serais bien aussi. Hein. Je finis mon live quand? Dans pas longtemps, je pense que je reste encore un petit quart d'heure. Petit quart d'heure, 20 minutes max. Et après, j'y vais parce que je suis KO. Et j'avais toute ma choré à faire. Il faut que je mange et tout. Et que je me douche. Parce que ça fait une semaine là. Il faut que je commence à suivre des gens aussi sur Twitch. Hein. Je suis personne. Je suis un connard. J'ai commencé à danser à 18. Ah oui, Christian, les lives de Christian, faut que j'en fasse avec Christian aussi des lives. De ouf, de ouf, de ouf. Des live tips de danse, on pourrait, mais c'est un peu galère, je trouve. Va manger alors, Elisouille. Déjà, tu ne me parles pas comme ça. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Je te le dis direct. Je rigole, Elisouille. Je t'aime. Ça se joue en ligne GTA en stream ou pas? GTA? Ou c'est nul, c'est plus la merde. Ouais? Ok, personne ne me répond, tout le monde s'en fout, j'ai compris. Je rigole. Ok. Ok. Attends, il y a un message que je trouvais pas mal, c'est quoi? Ah merde, je trouve plus. Bon, c'est pas grave. Je vais faire de la ASMR. Des danses sur des chansons incongrues. Ça pourrait être très drôle. Christian a annoncé que vous allez faire un live ensemble. Ouais, parce qu'en fait, après le prime dernier, là, on était tous les deux là dans une loge et on s'est dit, gars, on a fait toute cette aventure d'Alci ensemble et tout. Et on a démarré notre stream. Parce que lui, il va streamer aussi, attention, hein, de ouf. Hein. Il est chaud bouillant, Christian. Et on fera pas du tout les mêmes choses parce on n'est pas non plus de la même génération, sans dire qu'il est vieux parce qu'il n'est pas vieux du tout. Mais on n'a pas les mêmes goûts pour plein de trucs, mais on se surkiffe, on s'adore de ouf. Et on a dit, il faut qu'on en fasse ensemble, tu vois. Le clin d'œil, bah, ce serait normal en vrai. Mais on a dit qu'il faut qu'on le fasse avant la finale de Dals. Pas après. Mais bon, c'est juste en termes d'orga, c'est un peu galère. Ouais. Ouais. Je suis le meilleur danseuse, Margot, c'est gentil, mais non. Malheureusement, j'aimerais, mais je ne suis pas le meilleur danseur de danser avec les stars. Le meilleur danseur de danser avec les stars, c'est Jordan. Pour moi. Tous les samedis, stream, ok. Ok. Quels sont les danseurs de Das les plus chauds? Ils sont tous chauds, mais on a tous nos spécialités. Mais je l'ai déjà dit ça sur un autre live, mais tu devais pas être là, ce que je vois. Je vais pas tarder à y aller, les gars. Si vous avez des trucs auxquels vous voulez que je réponde, dites-le moi. On en profite. Oh, j'ai trop soif.
Je bois pas assez. Pour ça que je me fais mal aussi. Loïc Noté était vraiment au-dessus pendant 16 ans. Ouais, pire. Il est trop chaud. Il faisait des trucs qu'on arrive. Enfin, il était chaud dans ce qu'il faisait lui. Après, dans les danses de salon, il était pas chaud, mais il était fort. C'était un mec qui était fort. Et c'est un danseur. Désolé, moi, je lisais des textos. Est-ce que je connais Inoxtag? Ouais. Enfin, je connais pas personnellement, je l'ai croisé une fois, mais je le connais pas personnellement, mais il doit être très sympa. Merci Margot pour ma chanson. N'hésitez pas à aller voir, hein. Je fais ma promo sur mon live. Spotify, Anthony Colette, Zigzag s'appelle. Vous allez voir. Si vous aimez, bah tant mieux, je suis comme un ouf. Si vous aimez pas, bah tant pis, je suis comme un ouf quand même. T'as croisé Jordan au casino? Au casino, casino, au casino, casino. Parce qu'il y a deux sortes de casinos. Alors, il y a sur Deezer, oui, je crois qu'il y a sur Deezer aussi. À quand les stages dans le Nord? J'en ai fait plein des stages dans le Nord. J'en ai fait plein. Est-ce que je confirme que des stars sont prévues que pour 3-4 primes, que tout est prévu? Non. J'ai à ma connaissance, non. Je vous le dirai sinon, parce que je m'en fous, mais non. C'est. En tout cas, moi, à ma connaissance, pas du tout. J'ai jamais vu ça. Alors, la semaine prochaine, quelle danse pour éclater tous les autres? Karima, t'as raté le début du live ou t'étais pas là? J'ai donné des indices, purée. J'ai dit indice numéro number one sur la danse, j'ai dit Sissi. Et non pas Sissi la famille, c'est juste Sissi. Et l'indice de la chanson, j'ai dit Vent victorieux. À vous de jouer. Hop, 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 hop. Stop it, stop it. Le hashtag leak là. Je vais me faire fumer après. Qui c'est qui choisit les musiques des Corridals? La prod, la production. Est-ce que la valse est facile? Non, c'est pas facile contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'avoue que mon indice il était assez facile, mais. Je regrette. Oula. Waouh. C'est quoi ça? Il y a Siri qui se m'a parlé tout seul, désolé. Est-ce que j'ai participé à Popcorn? Non, c'est pas prévu. Mais peut-être un jour. Anto, j'adore tes outfits. Merci Vinny. Tu la sens comment l'impro de la semaine pro là? Ah oui, parce qu'il y a une danse d'impro aussi. Tu veux que je te dise? J'en ai aucune idée. Parce que j'ai rien compris à ce qu'on doit faire. Je ne sais pas, j'ai rien compris. Ils nous ont sorti ça comme as. Oui, vous allez improviser pendant 1 minute 30, vous devez créer une choré, là. Quoi? C'est quoi ça encore? On va arriver sur le parquet, on va se regarder, on va dire qu'est-ce qu'on fait. Allez, en direct, ils te mettent la musique. Let's go. Ça va être comique. Ça va être vraiment comique, je pense. Moi, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais arriver. Je vais mettre Natacha sur le parquet comme ça. Tac. La musique va démarrer. Je vais apporter en 1 minute 30, comme certains font. Je vais la poser et je vais faire ça. Et merci. Et je lâche un twerk. Ou un dwerk, si je me chauffe. Ma Natasha. Ouais, j'ai rien compris moi aussi aux explications, Camille. J'ai rien compris. Et mon dos va faire crack, Aïja. Exactement. Est-ce que je stresse parfois avant les danses? En fait, c'est pas du stress que j'ai. Bon, j'ai du stress, hein. En fait, je stresse
pour Natacha, je ne stresse pas de moi, parce que bah moi, je sais ce que je dois faire. Après, toujours, mais c'est de l'adrénaline plus que du stress. Je stresse pour Natacha parce que elle, je sais qu'elle est méga stressée. Et ça me stresse de la savoir stresser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, j'ai surtout envie d'y aller. Je suis comme un ouf. Et vous savez pas à quel point je suis comme un ouf avant de rentrer sur piste. J'ai que envie d'y être. J'attends que ça. C'est mon moment de la semaine. C'est pour ça qu'après, les notes et tout, je le prends à cœur. Alors c'est que de la télé, je sais. Mais c'est que je suis tellement comme un ouf. J'ai que envie. Et je me mets des claques comme as. Comme un abruti. En plus, on m'a demandé d'arrêter. Ben, j'arrêterai pas. Ouais, Natou, ouais, j'étais stressé quand même. Ouais. Parce qu'elle était méga, méga, méga stressée. Ah, c'est chacun. Chacun est comme il est, hein. Alors. Wow, ça, je n'arrive plus à rien à voir. Oui, les notes, ouais, ce qu'on disait au début du live, les notes, des fois, bon, comprends pas, comme ça. Tu souris, tu dis rien. Ou sinon, tu te chauffes, tu portes tes couilles comme Maxime il a fait, tu dis ce que tu penses. Mais moi, je pense que cette année, faut que je me fasse discret, des fois, là. Non, je connaissais pas Natou avant d'Alcide, pas du tout. Enfin, je voyais qui c'était, on s'était croisé une fois il y a 6 ans. Mais on se connaissait pas. Kayona a aussi bien parlé. Kayona s'est chauffée, elle m'a fracassé. C'était trop drôle. En plus, vous voyez pas, mais quand Kayona a parlé pendant pendant l'after là de Dals avec Camille et Jury, donc elle dit ce qu'elle pense sur un truc et t'as vu elle était un peu vénère comme elle parlait, tu vois, enfin genre tu sentais que ça l'a touchée. Bon, ok. Et moi, il me filmait à ce moment-là, il me filmait à ce moment-là et moi je faisais ça à la caméra. Mais du direct après, j'ai vu parce qu'il y a un bouton rouge qui allumait à la caméra, tu vois quand t'es filmé. Enfin, on le voit pas tout le temps, mais moi je le voyais. Et moi je faisais comme ça. Et chut, ils ont coupé. Et ils m'ont rien dit. Ils m'ont rien dit. Excusez-moi, je lisais un message que je viens d'acquiescer. Alors. Tu as peur que ça se retourne contre elle? Ben moi je me suis dit ça. Ben moi je me suis dit ça aussi en fait. Mais je suis allé voir sur Twitter. Et en vrai les gens, c'est là que je trouve que c'est intéressant, que c'est que les gens sont pas mal de son côté quand même. Hein. Donc tant mieux pour elle. Hein. Parce que moi aussi j'avais peur. Alors que la pauvre, elle mérite. Elle est forte la meuf quoi. Je veux dire. C'est un super couple, les deux. Ils méritent le meilleur. Je les adore. Un avis sur Candice Pascal. Je la surkiffe, trop sympa. Je l'adore. J'adore danser avec Candice, moi. Souvent, ils nous mettent ensemble en plus quand on fait danse de groupe. Anto, les danseurs font quoi hors dals? Ils font ce qu'on appelle des masterclass un peu partout en France où il y a beaucoup de gens. Et après, on a tous un peu une vie différente. Moi, je fais pas la même chose que les autres. Donc, eux, ils font d'autres trucs. Moi, personnellement, ben, je fais de la musique. Ça marche bien, je suis content. Mais c'est pas ça qui me fait spécifiquement vivre. Mais c'est là, je fais de la comédie. Pendant 2, 3 ans, j'ai bien tourné. Beaucoup de séries de TF1 et un France 3 aussi un petit peu. J'ai eu des rôles un peu plus gros. Et petit à petit, ben, j'essaye de grimper au fur et à mesure. Comme ça, de toute façon. Au fur et à mesure. Et après, à côté de ça, bah, je fais aussi des partenariats pas mal avec des marques. Donc il y a plein de choses, plein d'entrées différentes. Donc on s'en sort plutôt bien. Et puis Dals, ça nous prend quand même 4 mois dans l'année. Hein. C'est une grosse partie de l'année, Dals.
Ton personnage me manque de fou dans DNA. C'était bien, DNA. DNA, c'était cool. C'est gentil d'ailleurs, merci beaucoup. C'est une cicatrice en dessous de quoi? En dessous de mon œil, ouais, quand j'étais petit. Mais je me rappelle pas, j'ai pas de souvenir. Ma mère m'a dit que j'ai fait un. En fait, je suis tombé des escaliers. Et en arrivant en bas, il y avait un meuble et j'ai pris le coin du meuble là et ça a explosé et j'ai chialé comme un veau pendant des heures et je suis allé à l'hôpital. Mais j'ai aucun souvenir, j'étais vraiment petit. J'ai bientôt arrêté le live, les gars. Et je vais tester un truc. Est-ce que Bouzy est connecté ou pas? Vous savez s'il est connecté sur Twitch? Est-ce qu'il est en direct, le fiston là? Dites-moi. Ouais. Parce que j'aimerais bien tester un truc. Voilà, Red, exactement. On m'a dit ça là. Je ne sais pas le faire, donc je vais regarder comment je peux faire. Mais ce serait bien de le faire. Alors, comment on fait ça? Il est sur Rocket League. Ah putain, je rêverais de le faire. En tout cas, je vous le dis, les gars. Merci de fou malade d'être avec moi quand je fais les streams, les lives, pardon. Ah, il a fini son stream? Ah merde. Bon, c'est pas grave, une autre fois. Au moins, je regarderai comment on fait et la prochaine fois, je saurai faire. Merci de ouf parce que ça me motive grave, vous vous rendez pas compte. Et ça me fout des petits frissons de dire ça parce que j'ai jamais été vraiment. Contact, c'est pas un contact de direct, mais presque, hein. Virtuel, mais direct tout de même. Moi, j'ai toujours été, depuis 6 ans, hein, c'était à travers la télé. Et on n'a pas vraiment les retours, on les a dans les commentaires, Insta, tout ça. Mais moi, j'étais pas très réseaux sociaux. Et donc, de voir ça, ben, je trouve ça, c'est quand même beau. Ça me touche grave. Et genre, tout le monde est méga sympa dans les coms, tout le monde est bienveillant. Vous m'envoyez des messages qui me touchent de ouf. Et je vous jure que quand je vais me coucher, j'y pense. Je vous jure que c'est vrai. Alors peut-être parce que c'est la nouveauté encore. Mais j'y pense tout le temps et ça me pousse. Et je vous jure encore une fois, vous me croyez pas, je vous en voudrais zéro. Mais quand je fais Dals, quand je suis sur l'émission, je pense à Twitch. Je me dis, là, pendant que je fais Dals, là, que je viens de performer et tout. Il y a des gens avec qui je discute le dimanche soir sur mes deux derniers lives, du coup, parce que je n'en ai pas fait beaucoup, qui sont en train de regarder ce que je suis en train de faire et qui doivent me voir tout coincé comme ça et tout. Et après, je vais les retrouver dimanche et on va discuter très détente. Et franchement, ça fait kiffer. Ça fait kiffer et je vous en remercie parce que ça me donne envie de faire plein de choses et ça m'ouvre une porte sur un univers que je ne connaissais pas, que j'adore. J'ai rencontré des gens incroyables. Et surtout, j'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées. Et en plus de ça, je vais dire un petit peu tout ce que je pense sur plein de trucs. J'ai toujours fermé ma bouche sur plein de trucs. Et je pense qu'il n'y a que ça qui fait qu'on peut réussir des choses, c'est d'être honnête, dire ce qu'on pense, toujours avec la forme, sans être méchant ou violent, mais d'être vrai. Et je pense que c'est ce qu'on va faire au fur et à mesure. Et j'espère que vous serez là avec moi à ce moment-là. En tout cas, merci pour tout. C'était Anthony Colette. Et je vous dis à très bientôt.